Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons dans une énorme villa, la villa des Trous Brisés, l'une des villas les plus luxueuses de Bali, 5000 m². Il n'y a pas une, deux, trois, quatre, il y a 6 maisons. Bref, majordome, sécurité, garde rapprochée, conciergerie, chef cuistot à disposition. Bref, j'ai trop hâte et apparemment l'hôte de la maison s'appelle Marisol. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Nolto no. Bon dia et bienvenue dans la villa des Trous Brisés. Je suis Marisol, votre hôte pour cette incroyable telenovela. Voilà, telenovela, c'est d'ouverture, hein? Je sais pas ce que je dis. Tromperie, pastage de nattes, tuyauterie bouchée. Et oui, eux aussi, ça leur est déjà arrivé de chier dans la culotte. Venez avec moi découvrir les candidats. Alors oui, je vous retrouve ici, c'est mon confessionnal, hein, voilà, on est sur le trône, voilà, parce que j'ai pas trouvé d'autre meilleur endroit pour tenir le téléphone, donc je trouve que cet endroit est magnifique. Non mais ici, même les toilettes, t'as envie de manger dedans, laisse tomber. C'est immense. Ah, salut. Salut, moi c'est Cunégon, je te fais la bise. Moi c'est Bevel. T'attends quoi ici pour qu'on rentre? On doit attendre là? C'est chelou hein. Non mais à peine on pousse les portes de la villa que l'hôte là, il est émerveillé par tout ce qu'il voit. Mais mec, c'est qu'un patio en fait, on n'est même pas arrivé encore dans la villa. Oh ouais, il y a des potentiels cette année. Hein. Ah je sais. Franchement, j'ai pas mis trop de maquillage, j'ai pas mis. Ouais. Franchement, j'ai fait genre soft, assez soft. C'est, apparemment, il y a une meuf, elle s'appelle Marisol, c'est elle qui doit... Ta problématique, elle est genre hard ou pas? Moi, elle est compliquée, ma problématique. Elle est compliquée parce que moi... Elle est compliquée. Ah ouais, moi, je préfère... Elle est compliquée. Elle est très compliquée. Ah ouais, moi, je préfère pas dire ma problématique parce que... Genre, ça va exciter beaucoup de monde dans la villa, je pense. Ouais. Garde ta bouche fermée et commence à courir parce que moi, la meilleure des villas... Elle est pour moi. Et du coup, moi, j'ai commencé à courir. Mais le virage, vous l'avez vu, ce virage, j'ai tout donné. J'ai tapé un sprint, laisse tomber. Oh putain, j'ai failli m'étaler. Donc là, je commence à le doubler. Tac. Il ne sait pas ce qu'il me fait, il me tient par le sac à dos. Donc moi, du coup, ben, j'ai perdu ma vitesse. Il en a profité pour me doubler, ce bâtard. Et là, je le vois devant moi descendre les escaliers, comme Jennifer Lawrence, elle descend les escaliers, limite, elle allait se casser la gueule. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Il va avoir la meilleure villa. C'est pas possible. Et là, j'ai vu la piscine. Je l'ai vu lui. Je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, j'ai tout donné. Et je l'ai poussé dans la piscine. Bon ben voilà, je suis un peu dépité. À peine j'arrive dans la villa des Trous Brisés, on me jette dans l'eau sans me concerter. Enfin moi j'adore vraiment faire des pool parties et tout, mais là j'ai rien demandé, moi j'ai fini dans l'eau. Je suis trempée, là je suis actuellement au confessionnal, enfin c'est plutôt le professionnel. Mais vraiment je peux pas me voir le premier candidat que je viens de voir. Je peux pas me le voir. En fait, je voulais la meilleure villa et j'ai la villa la plus pourrie. Je vais vous montrer. J'ai juste une piscine privée et genre là, j'ai une triple douche, juste trois douches. Enfin, genre moi, je pensais que j'allais vraiment avoir un truc, mais immense. Genre, il y a que deux basques. Je m'en évitais le dressing, il est tout petit. Comment je vais mettre toutes mes robes et tout dedans? Enfin, genre, je suis trempée. Ah, je peux pas me voir lui, mais je préfère pas être grossier dès le début parce que sinon, ça va saigner des bulles. Salut, moi c'est Veven. Je passe autant de temps sur le drone que sur le trône. Bon. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now. Salut, moi c'est Cunégonde. Je suis conne que immonde. Il y a de sacrés personnages, hein? C'est vraiment quelque chose. Bonjour. Ça va? Ça fait la gueule, hein? J'ai une question. Une question pour cette villa de Trous Brisés, hein? Quel est votre prospect? Ça, je suis du mal avec les mots, moi. Prospectique.
Proche merde, puta de casa. Quel est ton problème? Dis-moi ton problème, Viviane, et à toi, Cunigonde. Bah, moi, en fait, je suis tellement beau que sur les vidéos de Nolito, je suis obligé de me masquer, en fait. Voilà, sans mon problème. Voilà, sans mon problème. Mais moi, mon problème, c'est que j'adore les raies. Vraiment, j'ai un réel problème, c'est que j'aime les raies sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. J'adore les raies. Non, mais la valise! Tu sais qu'il y a le drone et tout dedans, non? Il y a la GoPro, mes habits. Oh là là, j'espère que ça a pas. J'espère qu'elle est pas waterproof cette valise, mais non. Attends, hein, je filme parce que ça fait des vues. Hein. Ça, ils aiment de toute façon hein, quand il m'arrive des couilles. Et moi, je suis trempée, je peux pas rentrer, je vais tout cradosser. Verdict. Non, c'est pas trempé, je vais pleurer mes morts. Là, non? Ah, légèrement. Non, c'est bon, je crois. Oh la chance! Non, mais ça démarre mal! Plus de peur que de mal, parce que là, il y avait GoPro, il y avait drone, il y avait tout qui. Il y a la caméra aussi, ma caméra. Là, je peux vous dire au confessionnal, ça va barder. Ça va chier. J'en ai des choses à dire. Non, mais ça va, t'inquiète, ça va sécher, ça t'embête pas. Il est en train de nettoyer le sol. Ça me gêne. Mais quoi, ça te gêne? Ça me gêne qu'après, il vienne nettoyer parce qu'on a foutu la merde. Ah, j'avais pas compris ça. Je croyais que ça gênait que ma valise soit tombée dans l'eau parce qu'il m'avait poussé, mais pas du tout. Là, c'est la démesure. Hein. Rien que déjà l'entrée. Oh, ils ont les palmiers ultra rares de la Réunion. C'est des palmiers cœur, je crois. Ça fait la taille de ma baraque. Avec, je sais pas, c'est pas Bouddha. Qui c'est Bouddha? Ganache, ouais. Ou je sais pas quoi. Ganache. Oh, oh là, ça démarre mal. Il y a ganache. Il nous a dit ganache. Bah, elle tombe pas, il y a de l'eau. Hein. Là, voilà. Là, c'est incroyable. Mais c'est que l'entrée. Hein. C'est que l'entrée, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On va découvrir ensemble maintenant. Parce que moi, j'ai vu les photos, donc... Oh, la piscine. Laure Manoudou, elle se baigne là-dedans. Elle te fait des brasses, je te dis. Je suis sûre qu'elle s'entraînait ici, la piscine. Elle fait au moins 10 mètres de long. Mmh. C'est incroyable. La table, elle fait la longueur de mon salon. On va manger comme ça, aux opposés. Ah, on va pouvoir entretenir ce corps athlétique. Viens. Rien. On va faire du sport. Ah non, mais regarde la longueur des toilettes, s'il te plaît, c'est une chambre. Pourquoi exagérer à ce point? On va se perdre là-dedans. Alors là, j'ai imaginé cette pièce par moi-même. C'est ma salle de cinéma. La légende dit qu'on peut mettre 3 éléphants sur ce canapé. Regarde ça, je dois être dotée. Ah, on a une clim. C'est cool, j'ai cru qu'il n'y avait pas de clim. Des petites fontaines. Parce qu'il y a c'était l'entrée où on était tout à l'heure. C'est... Non mais là, en fait, je vous dis, le room tour va durer toute la vidéo. Ça, c'est des peintures de Picasso que j'ai acheté 30 millions d'euros. On a tout le staff là-bas. Donc, je vous dis, on a chef cuisinier qui est à disposition. Ils sont en train de me chercher les aliments insolites pour la vidéo qui sera sortie avant. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu es sûr que tu veux essayer le Durac ou je sais pas quoi? Je dis, je veux tout essayer. Ils m'ont dit, ok. Et ils ont rigolé tous ensemble. Donc je pense que je vais canner pour cette vidéo. Donc là, il y a le salon. Là, il y a le salon. Oh, l'échiquier. Et on va en faire des échecs. Il faudra juste me rappeler les règles. On en fera? Ouais. Ah, j'adore. Parce que si vous demandiez, on a montré la table là-bas. Oui. Là, c'est juste pour le petit déjeuner, cette table. Et là-bas, tu as la table pour le dîner. On va aller la voir. On va aller la voir. Oh, la piscine. C'est bien parce que si vous voyez, la piscine. Si vous vous engueulez, vous pouvez vraiment faire table à part. C'est plus chambre à part, c'est table à part. Ma maison à part, carrément. Ouais. Je peux demander si je peux taper. On peut taper dans le tambour. Mais je sais pas. Non, mais attends, je sais pas comment. It's possible, can I poum, poum, yeah? Oh! La table avec un barbecue. La première chose que Véven a vu dans cette maison, c'est le barbecue. Il m'a dit, il y a un barbecue. Bah oui, il y a un barbecue. Non, mais j'ai pas filmé. Non, mais ah bah il a zoomé sur le barbecue, carrément. Regardez-moi. Mais n'importe quel portugais serait heureux, là. Attends, regarde-moi ce barbecue. Franchement, ça pourrait faire film d'horreur. Oh, tu fous la tête dedans. Tu coupes la tête à la personne. Ok. Il y a carrément... Qu'est-ce que c'est, ça? Bah ça, c'est un four... Non, c'est mais... pour faire les pizzas et tout. Ah mais demain, on va se faire des pizzas. Hein. Et puis là, nous nous retrouvons dans cette sublime villa où a été tourné un des James Bond. Je sais pas si tu veux, je te... Mais non, tu non. Bien. Par contre, il y a la villa des trous brisés. Ah, vous allez voir. Par contre, ah oui, on doit vous dire un truc. On a envie de vous faire une petite séquence, la villa des trous brisés. Je stresse parce qu'il y a tout le staff, ils sont 9 au total, qui vont me voir habillé en Marisol. Donc, je pense qu'ils sont pas prêts ici. Pas s'ils sont très LGBT friendly à Bali, mais te tombe pas. Hein. On a besoin du caméraman. Hein. Là, on a des transats. Franchement, on va devoir se batailler pour savoir qui a quel transat. Oh, il y a un billard. Oh, on va se faire des parties. En plus, je suis ultra fort. Je vais lui latter la gueule au billard. Mais c'est ça. Ouais. Ah, ça y est, il commence à faire des sacrés plans là. Ça y est, il est parti. Alors, les villas se nomment comme ça. 1, 2, 3, ABC. Parce qu'il y a 6 villas. Et nous sommes 2. La démesure. Hein. C'est là où je me dis que j'ai été un peu excessif. Un petit peu. Non, mais c'est pour les biens de la vidéo, hein. J'en profite pas. Hein. Allez, on y va? Si
si vous pensiez qu'il y avait qu'une seule piscine. Une petite chambre, tu vois, c'est le soir, j'ai envie de me poser des questions, je peux m'asseoir sur mon petit canapé. Là, c'est l'endroit où je vais travailler. Ça, c'est de la déco parce que... Je suis à tout. Ah non, c'est attaché. Alors... Allez, on va continuer la visite. Arrête, arrête. Oh, arrête. On a le droit de rien faire avec toi. Mais range-moi ça. Arrête, ils vont croire que... Bah, si c'est là, mais pas du tout, on se fout pas de leur gueule. Mais je, jamais de la vie. C'est juste que c'est là en devanture, c'est pas une déco aussi. T'imagines, nous oblige à porter ça pour manger. Alors, là, c'est le dressing. The fucking dressing. J'aimerais avoir ça chez moi. Hein. Et là, derrière, il y a quoi? Ouais, ça va être dur hein, de revenir à la réalité ouais. Après. Hein. Et ouais. Là... Private piscine, private pool. On va aller renforcer la salle de bain quand même. Alors par contre la salle de bain elle est à l'air. Donc je préfère te prévenir que je te vois pas regarder par-dessus le muret. Mais il y a combien de douches? Ils sont combien là-dedans à dormir ici? J'ai tapé dans l'œil de 2-3 personnels. Donc on va prendre la douche à plusieurs. Il y aura Boudi ici. Il y aura moi ici. Voilà. Ce mec est dans les détails là, c'est pour mettre ses habits sales. Non mais là je rigolais, hein, on s'en fout. Et puis là on continue. Chambre 2, tout aussi belle. Chambre 3. Enfin maison 3, c'est des maisons. Là nous avons un jardin. J'entends des travaux là. Ça va être noté ça. Oh t'as carrément les coucous. Oh, mais le gazon il est encore mieux qu'en France. C'est incroyable. Bah, pourquoi il y a un bateau là en plein milieu là? Il y a une barque. T'imagines, ils descendent, ils nous voient avec la barque dans la piscine. Non, ça va, ils vont se dire ils sont complètement tarés. Non, mais il y a un temple. Il y a des temples si tu veux prier. Là, c'est la villa combien? B, C. C, B. J'adore, tout c'était comme les riches, genre. Ouais. C'est un arbre, hein. Et ça, c'est la chambre de Ruben. On l'a même pas vu encore. Ouais, allez, découvre-la ta chambre. Waouh. Elle est incroyable la tienne. Comment ça c'est que t'as ça toi, ça a l'air mal. Oh, je suis comme chez moi. Ok, t'as aussi un dressing. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un petit truc en plus toi, parce que là ça va chier. Il nous a fallu 3 heures pour faire la visite, con. Putain, le lit, il demande que... J'arrive, je vais dodo. Là, t'imagines, on se fait... Bon, bah écoute, bah voilà, on se voit après demain. Bah on pourrait ne pas se croiser, hein, franchement. On va se croiser, je te le dis. Non mais voilà, en fait je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo YouTube, la villa la plus luxueuse. C'est aussi que j'ai eu envie de profiter de la vie. Non, je vous avoue, et ça, ben, je vous remercierai jamais assez parce que c'est énormément grâce à vous que je peux faire ce genre de vidéo dans une villa de luxe comme ça. C'est incroyable. Donc, je vous remercierai jamais assez. Voilà Marisol. Elle sommeille putain de bien, Marisol. Elle est tranquille. Ma mère, elle a failli finir noyée avec la valise. Ah non, j'ai pas pété, je vous jure, c'est les bulles d'eau de la poche. J'ai même pas besoin de chuchoter, il m'entend pas de là. En fait, je pense que vous voyez, on a fait 15 jours de voyage et je pense que c'est le meilleur truc que de finir sur une villa aussi immense parce qu'on peut plus se voir en peinture, on peut plus se supporter et au moins on a vraiment chacun. Regardez ça, il est là, je suis là. C'est les transats, je suis là. Il et encore, on aurait pu faire moi là-bas, mais voilà. Non, là on a énormément d'espace. Non, on se fout pas sur la gueule hein, quand même, mais. 15 jours non-stop, ça nous fait aussi du bien de profiter, de voilà, d'avoir un peu d'espace, tu vois. Par contre, le personnage, je sais pas si vous voyez, des fois quand on filme, ils sont dessus. Il m'a vu arriver à Marisol, je lui ai dit, n'ayez pas peur, hein, je tourne des vidéos drôles, c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Et pour les 10 aliments insolites, ça va être drôle. Mais la vidéo des 10 aliments insolites sera sortie avant, donc, mais je pense que vous allez bien rigoler. Parce qu'ils m'ont dit, ah ouais, tu veux du insolite. Mais au début, je dis, ouais, vraiment du insolite, mais me dites pas, je veux pas savoir ce que c'est. Alors, bien entendu, je veux pas du chien ou du chat ou des trucs comme ça, vous voyez. Il y a un escargot, je crois, c'est quoi ça? Je les vois, les pépins de piment, là. Ça me brûle, là. Le monteur vous mettra la miniature, si jamais vous avez envie d'aller voir. Ça a toqué. Je sais pas ce qu'il y a, là. Je suis persuadé que c'est toqué. Mais t'arrives ou quoi? Ça a toqué et j'arrive pas à savoir... Bon, c'est moi qui ai perdu la bouche, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre, là. Ça a toqué, je me regarde, y a personne à ma vitre. J'entends des voix. Je crois que cette villa est bien trop grande pour moi. Je vais commencer à avoir des peurs cette nuit. C'est pas Star Wars. On essaye de faire ce qu'on peut avec la moyenne de bar. Donc je sais même pas jouer. Donc la dernière fois que j'ai joué, c'était chez toi. Je sais même pas si je suis droitier ou gaucher. Je suis ambidex. Non, comme ça, je préfère faire de la gauche. Donc là, il faut que je vise quoi? Laquelle couleur? N'importe laquelle, là, on est d'accord. Là, oui. C'est juste qu'il faut pas faire entrer la noire. Voilà, il a tout bien sorti. Oh bah là, je vais mettre la marron. Il faut pas que je touche la bleue là. Ah bah non.
Maintenant, tu dois rentrer les plaines. Hein. Quoi? Ah ben oui, t'as rentré une plaine. Ah, c'est compliqué ton jeu. Hein. Si tu touches pas de boule, tu dois saquer. Ça veut dire quoi? Tu dois enlever ta boule. Et je le sais maintenant, ça. Bon, mais on le fera pour le prochain tour. Ouais, bah ouais, je savais pas. Ouais. Là, moi, je vois la verte là-bas. Elle est prête à rentrer et je pense que je peux la voir. Par contre, il me dit qu'il faut avoir un pied par terre. Donc, je peux être comme ça. Ah, il doit y avoir un pied qui touche le sol, ouais. Et je peux viser, mais c'est compliqué là, non? Bah oui. Il fait des drôles de têtes. J'ai l'impression qu'il a fait professionnel anglais. Hein, mais est-ce que je peux faire comme ça? Oui. Ça, si tu la touches pas. Mais personne ne le fait, ça, ce que je suis prêt là. Non. Mais ouais, mais celle-là. Mais pourquoi tu rentres pas la violette là? Elle est juste en face du trou. Non, elle est pas vraiment en face. Oh bah putain. Ah non, bah non. Si je fais ça, elle va partir là-bas. Bah tu tapes sur le côté. Tu tapes sur le côté là. Doucement. Tu vois? Elle est où là? Oh, oh, oh là là, quel dommage! Oh la concentration. Qu'est-ce qui est tombé? La tienne. J'ai eu un point? Papa, papa! Oh! Il vient d'en rentrer 3 d'affilée. En fait, si tu joues aussi tous les jours, c'est sûr que bon, moi, j'ai à côté, je suis une merde. Quoi. C'est à moi ou c'est toujours pas à moi, là? Laisse-moi me concentrer! Tu fais ça, toi, je te vois faire ça. Hey. Tu vois? Nope! Oh. On peut pas tous réussir. Là, je vais les rentrer. Là, il va filmer. Là, je vais les rentrer. Je vais rentrer la marron et la rouge. T'es prêt? Alors, il m'en reste combien? Quoi? Oh, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Il faut la rentrer, mais il faut faire une bande. Ça veut dire quoi? Il faut qu'elle tape. Les chaussures, elles ont des règles. Non, il faut qu'elle tape un rebord avant de rentrer. Elle peut pas rentrer direct. Et la blanche, il faut qu'elle fasse 3 fois le tour de son slip. Oh merde. Allez. J'essaie de comprendre comment. Allez. Allez, Yannick. Les mains, ils sont. Tu vas saquer. Tu vas saquer. Allez, Frodon. Allez, Frodon. Oui, ça va. Alors, moi, ce qui est bien, c'est que je peux plus saquer. Apparemment, j'ai plus de boules. Donc, en fait, même si je touche pas mes boules, c'est pas grave. Donc, maintenant, vous allez voir, je vais faire au talent et ça va sortir. T'es prêt? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est à 4 pattes sur le. Là, il est dans la merde. J'ai réussi à en rentrer 2. Et là, regardez, il est dans le bas. Mais il y a des positions que je comprends pas, là. Yeah! Oh non! Alors là, je sais pas, faut regarder les règles. De quoi? Ben, la blanche est tombée avec la noire et la noire a touché la bande. Donc, normalement, j'ai gagné. Mais comme j'ai rentré la blanche. T'as gagné. Je sais pas si je dois saquer. Non, t'as gagné. T'as gagné, tu sais pourquoi? Parce qu'il est l'heure de manger, j'ai fait. Oh là là, oui. Je pense qu'elle bouge. Oh! 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 T'as pas vu ce que j'ai fait? Oh! Oh! Allez, je raccroche. Non, mais le gardien, il m'intéresse pas du tout. Eh, si j'ai le gardien dans la poche, on reste peut-être 2-3 jours de plus gratuitement. Bon allez, on se rejoint à l'énorme table. Vous allez voir, on va manger aux opposés. Ils ont fait le bruit du tam-tam du début pour nous appeler manger. Je suis dead. Il avait... Doum. Oh là là. Posé entre Véven et moi pour vous montrer la largeur de la table. Coucou, tu m'entends de là? Ouais, tu m'entends? Santé, Chin. Ah merde. Chin. C'est trop loin. C'est plus chambre à part, c'est table à part. Voilà. Moi j'en suis sûr, si tu pètes de là-bas, je te sens ici. Hein. Pourquoi? Moi parce que. Avec tes pètes portugaises là. Allez, ça enchaîne. Heureusement qu'il y a la nourriture parce que sinon là, j'aurais enjambé la table pour tout casser. Sprinkle, please. Oh yes, thank you. A bien manger. Bon appétit. Merci. Moi du coup, je montre aux abonnés ce qu'ils voient pas. Donc voilà. Petite sauce avec. Tu sais que si tu chuchotes comme ça, je suis à deux doigts de pas t'entendre tellement t'es loin, vraiment. Ah ouais. Essaye de chuchoter pour voir. Parle-leur, on va voir si je t'entends. Casse les couilles avec ses pètes portugaises. J'ai entendu un mot. C'est quoi? Casse-couilles. Il casse les couilles avec. Casse les couilles avec ses pètes portugaises. Il me casse les couilles avec ses pètes portugaises? Ouais. Oh putain, je l'ai deviné. Tu sais que là, je l'ai vraiment pas entendu, mais je me suis dit, il a dû sortir ça. Ah, moi, j'entends rien. Moi, je suis sourd comme un pot, alors moi. Imagine, ils entendaient pas toi. Je vais monter en level. Tu pues du cul le sapin, je sais pas quoi. Tu pues du cul, tu sens pas? Toujours pas! Tu pues du cul, tu sens pas? Tu pues
pue du cul. Ouais, jusque là on est beau. Putain, là, il faut, là je suis sûr qu'ils entendent, hein. Oui, bon, ça va. Hein. Tu pues du cul, tu sens le poireau. Ah, tu pues du cul, tu sens le poireau. Bon, on va faire ça tout le repas en fait. Oh là là. Comme vous voyez, on se tolère. Non, déjà on peut mal. Discuter, il n'y a pas obligé. Bah vas-y, raconte ta vie. Tu peux parler, c'est vraiment une petite table, on est en intimité là. Non. Mais c'est toi la star, c'est toi qui dois parler, fais le show là, vas-y, danse sur la table, je sais pas, moi, fais la macarena, tombe sur le tambour là, fais-moi un barbecue, mets ta tête dans le four, j'en sais rien, mais fais quelque chose. Je suis exténuée. Oh là là, c'est dur la vie. Hein. Vous sentez que ça, on est à deux doigts de se foutre sur la gueule là. Vous non, pas du tout. Non, le plat de consistance. Oh, c'est de la cigoringue. Oui, t'as peut-être pas pris la même chose. Moi j'ai pris mi-goringue. Mi-goringue. Yeah. Oh, t'as vu ça, c'est des... Des filaments. Non, je vois pas d'ici, James. Alors. Vous voyez pas de là? Ah non. Allez, viens ici, cocotte. Alors attendez, il va me falloir au moins 10 minutes avant d'arriver à vous. Regardez. Nous avons. Un poulet. Le chicken. Chicken. Ensuite. Regardez-le comment elle dandine du cul, la Marisol. C'est vrai, je dandine du cul. Ah, regardez-moi ça. Elle se dandine. Elle se dandine. Ensuite, le nasi goreng avec des filaments de... D'omelette. Oh. Merde, je pensais que ça allait faire du bruit avec mon cul. Bah, c'est plutôt ton cul qui fait du bruit, oui. Allez, oh, mettez oui. De portugaise, bien sûr. Non, mais si on a failli se noyer à cause des vagues, c'est à cause de toi. Alors, allez, enchaînez-moi. Enchaînez-moi. Mais t'as monsieur. Vu le P que tu m'as fait la veille? Ah, il a réveillé tout l'hôtel. Hein, moi, vous voyez, ma mère? Attendez les abonnés, moi je vais vous montrer un peu mon plat. Voilà, alors là, on a des noodles, on a des eggs. On a des... Comment ça s'appelle ça? Shrimp crimps, non? Les chips. Chips. Shrimp chips. Et là, le poulet au curry. Et vraiment, les plats les plus connus de Indonésie, c'est le nasi goreng au riz. Ou alors, vous avez la même chose avec les pâtes, le mi goreng. Moi, je préfère. Moi, je vous conseille le mi goreng, c'est mieux. Moi, j'aime bien les deux. Pour me constiper, je préfère prendre le nasi parce que quand tu manges un peu trop ici, tu commences à avoir une coulante. Et le nasi au riz... te permet de... Ah ben là, pendant deux semaines, ça va plus, je suis atteint. Allez hop, ça fait tampon. Bon appétit. Ah non, c'est pas tampon, c'est bouchon, je voulais dire. Eh, le monteur, Bruno, tu couperas ça. Sinon, ça va, le monteur, tu vas bien, toi? Ouais, ça va. Je parlais au monteur. Vous savez que j'ai jamais vu le monteur et je vais le rencontrer pour la première fois un an et demi plus tard qu'on travaille ensemble. Et je vais pas le rencontrer en France, je le rencontre au Japon. Vous vous rendez compte qu'il faut qu'on fasse quasiment 10 000 km pour se rencontrer quoi. Parce qu'en fait il est en vacances au Japon. Je raconte ta vie le monteur, ouais. Incroyable. On va faire un karaoké. On va bien manger. Ouais. Je suis éreintée par la vie. Ouais, vas-y, tape ta tête contre le truc. Tu crois que ça ferait du bruit si c'était ma tête plutôt que mon cul? Parce que mon cul il est plat. Arrête, ne fais pas ça. J'arrête pas comprendre. Putain, ça bouge dans ma tête. Je crois que j'ai mes neurones qui bougent. Ouais. J'ai entendu. Hein. J'ai hâte de voir les retours. Le monteur, tu laisses tout. Non, histoire que je mais m'énerve. Je rigole, c'est de l'humour. Ouais, tout ce qu'on dit, on le pense pas, de toute façon. Voilà. Là, je commence à avoir peur du dessert quand je vois une fourchette. Oh. Là, des crêpes balinaises. Voilà, yeah. Tout simplement. C'est Mims aussi de nuit, regardez. Oh, il y a mes lunettes, je dois... Bah, tu les avais oubliés. Toute la villa est à nous. Hein. Regardez les chéquis, on s'est dit qu'on allait en faire demain. Mais c'est vrai, c'est que c'est du marbre. Hein. Oui, c'est du marbre. Ça vaut, je sais pas, 4000, 5000 euros, hein, un échiquier comme ça. Hein. Quoi? Est-ce que tu viens de dire? Bah oui. Combien la pièce? Elle a combien la pièce? Je sais pas. Ah, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. 1, 3. Bon, allez, salle de cinéma. Allez, on va aller se regarder un petit film au ciné. Allez, on va au ciné. Allez hop! Allez, je vais te couper! Ce canapé est vraiment trop petit, hein. Tu vas pas me coller, hein, je te le dis. Hein. On est dans notre grande salle de cinéma. Voilà. On est 5 mètres l'un de l'autre. C'est génial. On a le petit ventello, la clim, Hunger Games. Regardez ça, je peux même pas le toucher de là. Oh, we have peace. Voilà, qui on attend? Devinez. Voilà. Bon, cette fois-ci, on est à une table encore plus longue, mais cette fois-ci, on va se mettre à côté quand même. On va essayer. Ça y est, le monstre arrive. Déjeuner de qualité. Je voulais aller faire du sport, mais la Vévène avait été arrivée 10 minutes avant moi. Donc du coup, il avait accès au seul tapis roulant qu'il y avait. Donc ça m'énervait, j'ai voulu aller faire du vélo roulant, mais j'arrivais pas à baisser la selle. Donc comme je suis trop petit, je pouvais pas... Où est-ce que je veux dire? Je vais souffler. Et là, du coup, je me suis dit, mais... Mais non, réfléchis. La bassine fait 100 mètres de long, limite. J'ai fait juste un aller-retour, je suis mort. Je vais vous montrer mes exploits. Vous n'êtes pas prêts. Ah, ça fait... J'essaie de sortir du...
avec classe. Je prie. Même pas la moitié. Je vais me noyer. Je crois qu'elle fait 20 mètres de longueur. Vous vous rendez compte que la piscine, elle fait la taille d'une baleine? On ne se rend pas compte de la longueur d'une baleine bleue. Je vais décéder. Ah ouais, quand t'as une piscine comme ça, en fait, t'as pas besoin de salle de sport. Ça te fait le sport, l'aller-retour, là. Allez, je vais me concentrer pour être un bodybuilder. Ah, j'ai fait qu'un aller-retour, je suis déjà mort. Non, mais il y a la vieille Marisol qui est en train de préparer les tapis là-bas de yoga face au Bouddha. Là. Elle nous a dit, ouais, venez, on va faire une séance de yoga. Et Marisol, quoi. Moi, je viens de manger, j'ai envie de vomir. Hein. Hola, hola, soy Marisol. Je vais rejoindre Viviane pour faire un petit coup de yoga. Un petit cours de yoga, pas coup. Je vais lui montrer les talents de yoga et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sous son masque, paraît-il, qu'il est sublime. On va accueillir un des candidats emblématiques de l'émission. Je vais voir, voyons voir ce qu'il y a sous son masque, sous vos bosses. Viviane. Bonsoir, bonjour Viviane. Tu vas essayer de faire un peu de yoga parce que je te trouve un peu trop luxuant. Ok. D'accord. Alors là, déjà, tu vas commencer par faire le chien battu. Le quoi? Le chien battu. Plus bas, il faut descendre, hein, le chien battu. Fais ce qu'on peut. Ensuite, on va passer à la chatte enragée. C'est comme ça. C'est plus dur, hein. Il faut lever une patte, la chatte enragée. Et tu lèves la jambe, lève-la. Tu dois tenir 5 secondes. 1, 2, 3. Mais non, mais tu compliques. Là, tu as fait la chatte en chaleur. Enragée, elle a le genou au sol. Oh. Voilà. Tu lèves une seule jambe. Celle derrière, lève-la. Ton truc, ça commence à être compliqué, là. Voilà. Non, lui, il vous a fait la chatte en chaleur. Il a levé les deux jambes. Je vois rien avec la clinique, là. Oh. Et il critique quand même la présentatrice, hein. Heureusement que je ne suis pas une tentatrice. Qu'est-ce que tu aimes comme animal? Le tigre. Il aime non, le tigre. Le dauphin. Ah, le dauphin. Le dauphin mariné. Mais il faut essayer de tenir, hein, sur la tête. Le dauphin, on a bien déjeuné, ça va remonter tout ça. Le dauphin mariné. Il faut essayer de tenir. Là, on aurait dit un œuf pourri, mais c'est pas grave. Oh, j'ai arraché la tunique. Oh, on va compliquer les choses. Le cobra. Le cobra, tu sais le faire, le cobra? Non. Et si tu lèves la jambe, tu fais l'anaconda. Voilà! Maintenant, on va faire les articulations. Tu vas te poser comme ça. Tu vas lever le plus possible les mains. Ah, ça je sais, c'est un Superman. Oui, exactement. Mais là, c'est juste Marisol. Là, il ne faut pas bouger, hein. Ça fait travailler les abdos. Hein. Il n'a rien compris, lui. On a dit que c'était du yoga. On n'a pas dit qu'on était avec des bonnes shapes, hein. Morte Marisol. Ah non, je dormais. J'ai beaucoup d'heures de tournage, je suis muito fatigado. Non, ça c'était, j'avais mal au ventre, c'est des gaz intestinaux. On va faire le gorille justement. Le quoi? Le gorille. Voilà. On a une dernière, la loutre échouée. Et tu restes comme ça une heure et demie. Ça, c'est très physique. Voilà. Le yoga est terminé. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai lu le Bouddha. On s'est vu comme ça le Bouddha? J'en sais rien. Aïe, j'ai craqué. Elle m'a vendu ça. Post-caca. Ah, fais la post-caca. Alors, la post-caca. C'est quoi la post-caca? Mets les mains comme ça. Tu descends. Tu mets les mains sur les genoux. Et tu pousses. Ça craque. Allez, on a fini la séance. On fait les. Aïe, mais les tarés. Mais là, ça part en couille complet. Hein. Aïe, mais salope! Oh, mes lunettes! Oh, mes lunettes! Je te vois plus là. Sans lunettes. Mais on n'arrive même pas à se toucher. Mais on est si nul que ça. Arrête. Ouais. Nous allons faire un concours de vitesse. C'est quoi, un aller et un retour ou juste un aller?
Juste un aller, ok. Je vais le dégommer. Moi, je suis en gris et lui, il est en orange, hein, pour que vous sachiez. Ça va se passer avec le drone. Avec Vivienne, on a décidé de faire un cache-cache. Donc là, je le laisse se cacher et puis après, je vais aller le chercher. Je regarde pas par la fenêtre. Ça se trouve, vous allez le voir passer derrière moi, mais je le saurais pas. Donc voilà, on va se faire un petit cache-cache. J'attends un peu et après, je vais le chercher. Et on va le chercher ensemble. On va le trouver. On va le trouver. C'est parti, il est caché. Alors, je suis le meilleur au truc de cache-cache. Vous inquiétez pas. Déjà là, s'il y a des oiseaux ici qui sont posés, c'est pas possible qu'ils soient là. Sinon, il se serait déjà barré. Est-ce qu'il est caché derrière le Bouddha? Non, il se serait jamais mis derrière les bambous. Il a trop peur. Moi, je pense qu'il est caché. J'ai une idée de cachette. Je vais pas la dire à votre parce que si je passe devant lui, Sarmar, il va savoir. Mais j'ai une putain d'idée de cachette et s'il a eu la même idée que moi, je le déteste. Je me dépêche parce qu'il a mis le chronomètre et il faut que je le gagne à tout prix. Ok, il est pas ici. Putain. Il faut tout... Vu comment je suis putain de concentrée. Non, mais moi je veux pas me faire avoir. Hein. Je peux vous dire, attends, il gagne aux échecs et quand au billard, celui-là, il gagne à tous les trucs. Cache-cache, c'est pas un jeu d'agilité ou d'intelligence. Je vais pas me dire qu'il n'est pas pu se mettre là-dedans. Merci. Oh, attendez, si c'est foutu là-dedans, c'est sur Mac. Non, on ne peut pas se fermer la clé. Par contre, il y a une super idée de cachette. Mais c'est... J'ai ma cachette, non. J'ai ma fucking cachette, c'est pas ici. Non, pas dans les toilettes, ok. Salle de sport, non plus. Ok. Putain, ça commence à m'énerver, il va gagner. Ça m'énerve, il m'énerve. Toujours trouver des meilleurs trucs que moi. Il ne peut pas me le voir. Moi, je vais demander au personnel, excuse me. Do you find a ugly guy? Putain, où il est? Imaginez, on est passé. Là, franchement, j'ai fait les trois quarts de la villa. Ça se trouve, je suis passé devant lui et je l'ai même pas vu. Putain, 3 minutes et je l'ai déjà pas trouvé. Où il est allé se cacher, ce con? C'est pas foutu dans le frigo et c'est pas foutu dans le meuble. Non. Putain, mais Willy, j'ai fait quoi? J'ai pas fait la salle de billard. Mais dans la salle de billard, tu peux pas te cacher. Y a qu'un billard. Putain, ça m'énerve. J'arrive même plus à parler. Bah, il a pas pu se mettre sous le billard. Ah, franchement, s'il a fait une cachette aussi claquée... Oh putain, j'ai eu peur, c'était le tabouret. Waouh, j'ai commencé je me suis fait une frayeur. On a dit pas dans les villas, vu qu'il y a 6 villas, on s'est dit on fait pas cachette dans les villas parce que sinon c'est trop compliqué. Je commence à flipper parce que j'ai fait tous les endroits de la villa là. Où il est? Attendez, je vais vérifier qu'il m'ait pas envoyé un message. Il vient de m'écrire, il m'a dit je respire plus. Ça veut dire quoi ça, je respire plus? Il s'est pas foutu sous une table ici? Non, celle-là. Si, c'est bon, je l'ai. Il est là, il est juste là. Coco. Dis-moi le chronomètre, combien il dit? Dis-moi le chronomètre. Je m'en fous, je vais savoir le chronomètre. Je sais pas, aide-moi. Mais comment t'as été te foutre là-dedans? Bah oui, tu m'étonnes. 5 minutes 53, on enlève 30 secondes. Hein. Ok, je dois faire mieux que 5 minutes et 20 secondes. À mon tour. Là, je vais me cacher. En fait, j'hésite. Hein. Les gars, j'hésite parce que je me dis, si je finis bloqué là-dedans, il est capable de m'enfermer. Il est capable de faire ça. Ah non, il n'y a plus le truc. Là, c'est super drôle. Non, mais c'est une super bonne cachette. J'arrive à rentrer. Allez, ça. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir après? Ouais, c'est bon. Ok, je ferme. Allez, c'est parti. On va le chercher, on va la jouer stratégique. S'il est derrière le Bouddha, il n'est pas derrière le Bouddha. Est-ce qu'il est derrière les villas? Non, il n'est pas là. Putain, il est où ce con? J'avais oublié de lui envoyer un message pour lui dire que c'était bon. Ça fait 3 minutes que j'attends, je lui avais pas dit. J'ai envie de me tuer. Je suis, mais vous imaginez pas. Non, il n'est pas dans les buissons, il n'est pas dans la piscine. Il n'est pas qui s'est caché derrière. Sous ces trucs, il pourrait pas respirer. Sous le billard non plus. Putain, où ce con? Mon dieu, je suffoque. Vous ne voyez pas, mais là, je vais crever. Vraiment, je vais crever. Il fait trop chaud. Où j'ai entendu bouger, là? Cunégonde, t'es par là? Ma petite Cunégonde. Il est où? La cuisine. Il n'est pas là. Sous la table. Non. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il s'est foutu dans les chiottes. Non, il s'est pas foutu dans les chiottes. Il arrive, je l'entends. Cunégonde? Oh là là! Non, elle me dit pas qu'il a fait des placards, sinon alors, si je dois faire tous les placards de la villa, je suis mal barré. Hein. Putain, il s'est barré, il m'a pas trouvé, mais vous imaginez pas, je suis en sueur de la tête aux pieds. J'en peux plus, je suffoque, y'a pas la clim. Mais seigneur, le portable est tellement chaud, je peux pas mettre le flash, ça me dit que je peux pas mettre le flash parce que le portable est trop chaud. Eh, hey, Cunégonde! Cun-cun? Mario Cun-cun? Putain, j'ai l'impression que c'est Pékin Express le bordel! Non, de toute façon, il rentrait pas là-dedans. Non, mais c'est pas possible. Moi, je vous dis, il s'est foutu sous les trucs, c'est sûr. On voit rien. Non, c'est pas possible, il serait mort. Mais il s'est foutu dans l'eau. Il s'est foutu où, Cun-cun? Oh, Cunégonde. 2 minutes chrono, j'ai gagné. Si dans 2 minutes, il m'a pas trouvé, je lui donne un indice. Je lui dis que je suis dans la salle de cinéma parce que quoi qu'il, j'aurais gagné.
Putain, je suis à 5 minutes. Pas possible. Non, mais il peut pas rentrer dans des placards comme ça, à bout d'un moment. Il est là, putain. J'en suis sûr qu'il bouge, ce bâtard. Pas. Ah, c'est quoi, ça? Mais je l'ai même pas vu, il est où? C'est toi? Ça me fait même pas rire. T'es pas dans les placards, mais t'es un grand malade. Il est dans le placard. Ah, j'en peux plus. Je suis mort. Je suis décédée. Mais t'es un malade. Et hein, j'ai gagné. T'as dit quoi? Quoi? J'ai dit, elle est trop grosse pour passer dans les placards. La curée. Regardez comment j'ai trempé. Je suis mort. Putain, putain. Il y a un truc dans l'eau. Vous allez voir. Oh là là. Il y a une raie, je crois. Ben, en fait, j'étais sur le canapé. Sur le canapé, en train de bronzer. En train de prendre un petit cocktail. Et là, je vois qu'il y a un truc dans l'eau. Je me dis, waouh, il y a des tortues, il y a des dauphins dans la piscine. Ils nous ont pas prévenus, tu vois. Du coup, je me dis, je vais aller voir, en fait. Oh, la raie, seigneur, seigneur. Aïe, 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 c'est que j'ai pris. Et là, la l'autre conne, là, comment elle s'appelle, celle-là? La cunégonde, là, elle me montre sa raie. Non, mais l'autre, c'était même pas une raie, en fait. C'était une baleine échouée, le truc, hein. Bon, voilà, En fait, c'est assez compliqué, vous voyez, avec ma problématique, mais... En fait, j'ai lutté, et... J'ai pas pu m'en empêcher, genre, je lui ai montré ma raie. Mais je pense que ça l'a... Je pense qu'il s'est dit, waouh, ça, c'est de la raie, tu vois. Donc du coup, j'espère avoir fait bonne impression. J'ai tout donné vraiment sur la montée de raie, tu vois. La montée de raie. La raie, quoi. J'ai tout donné, tu vois. J'espère que c'est bien passé. C'est un peu ma parade nuptiale. Genre, quand je monte la raie, généralement, les hommes me regardent direct. Ils disent, ma, que bellissima la raie, là. Tu vois, genre, j'ai tout donné, quoi. Alors moi, je suis désolée, mais en fait, la production, va falloir revoir le casting. Hein. Marisol, va falloir faire quelque chose, va falloir mettre des lunettes, en fait. Hein. Parce que moi, je peux pas être assimilée à des candidats comme ça, en fait. Hein. Moi, en fait, l'élite de la nation se mélange pas à la populace. Hein. D'accord? Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, maintenant, ça va de faire caca. C'est l'heure du massage. Comme d'habitude, on attend qui? On attend Veven. Et puis après, on va se faire masser. Parce qu'on est des stars d'Hollywood. Et ouais. Alors, ça, c'était du massage. Hein. Je peux te dire que là, dans l'avion, je vais planer. Par contre, elles ont les mêmes baladeuses. Hein. Je peux te dire qu'en France, la raie, c'est une raie. Hein. Et moi, elles sont allées sous le slip pour les fesses. Elles m'ont fait toute la fesse. Elles n'ont juste pas fait la fente. Mais à la limite, elles auraient pu y mettre un doigt. Quoi. Elles vraiment tous les fesses. Et devant, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on m'a touché une peau de bouliche. Mais c'était génial. Je suis dégommé. Par contre, quand elle est descendue, je te jure, elle s'est arrêtée là. Il a la phobie des pieds. Elle s'est arrêtée là. Je te jure, elle me touche le pied, c'est le coup, il part. Hein. Ouais, parce qu'elle a la phobie. Il a la phobie des pieds, donc il fallait lui dire. On lui a dit qu'il fallait pas qu'on lui touche les pieds. Moi, elle les a touchés, mais moi, ça me faisait rire. J'étais comme ça, je te rie. Mais moi, il y a des trucs qui ont craqué dans mon corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de craquer? Moi, les doigts, mais ça fait tous craquer. Crac, crac, crac. Et elle a vu que ce doigt, j'avais eu un accident au doigt. Elle l'a pas fait craquer. Non, là, c'est. On va pouvoir prendre l'avion tranquille. Une partie d'échecs. J'ai vraiment l'impression d'être dans Harry Potter. Allez. Cavalier EC. Je dis n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans Harry Potter et je vais te dégommer, on verra. On verra ça. Ça fait une demi-heure qu'on joue, c'est calme, on n'entend même pas une mouche péter. On s'adresse même pas à la parole. C'est apaisant. Bon, bah t'es prêt? Quoi, je suis prêt? C'est un échec et mat. Mais non, si je te bouffe. Mais si tu me bouffes, t'es en échec. Parce que je te rebouffe avec mais le pion. Je vais te bouffer quand même. Si tu me bouffes la tour, bah t'es en échec aussi à cause de ça et du fou. Si tu vas à gauche, t'es en échec. Si tu vas à droite, t'es en échec. Si tu vas là, t'es en échec. Et si j'abandonne, tu prends un échec? Donc c'est échec et mat. Ben alors je vais faire ça. T'es échec et mat, y'a rien à faire. Je vais faire ça. Ensuite, je vais faire ça. Ouais, ensuite. Je bah, tu sais quoi, voilà. Échec et j'aime pas les non, maths. En plus j'ai même pas fait le normalement quand c'est échec et maths on doit faire comme ça, échec et maths. On va le coucher. Ouais.
J'aime pas les mathématiques. C'est pas les maths, ça. Regardez, il est déçu. Ça fait une heure qu'on joue. Mais c'est un jeu de réflexion. Je sais, à un moment donné où je me suis perdue, quand j'ai rigolé, j'ai voulu faire genre. Oui, avec la tour. En fait, je vous ai expliqué ce que j'ai fait. Je me suis pas rendu compte, en fait, une fois que ça bouge, on peut pas revenir. Donc, non. J'ai commencé à l'avancer, là, je me suis émerde. Et là, je me suis dit, tu peux pas faire genre. Non, une fois que t'as touché le pion, t'es obligé de. Du coup, j'étais là, je continue à avancer. J'étais là, mais où je m'arrête? Où je m'arrête? Et j'étais là, mais je sais pas où m'arrêter. Et du coup, quand je me suis arrêtée, j'ai rigolé pour faire genre, je vais te dégommer alors que j'étais dans une merde. Et là, je savais que c'était fini. Du coup, moi, il m'a mis en échec. Du coup, j'ai bougé mon roi là. Tu m'as bouffé. Il y avait quoi? Il y avait le fou, je crois, là. Moi, il y avait le fou. Hop, il m'a bouffé le fou. Sauf que le problème, eh ben, c'est que moi, après, avec mon roi, je lui ai bouffé sa tour. Non, mais c'était une belle partie. Félicitations. Aïe, tu me fais mal. Salope. Oh, en vrai, je dois vous avouer, je l'ai laissé gagner. Parce que je sentais qu'il était, il était pas trac aujourd'hui. Donc, mais sinon, je lui aurais laté la gueule. Hein. C'est sûr que j'aurais réussi. Mais après, pas rien n'est plus fruit. Regardez-moi cette vue. Oh là là, vue sur 6 maisons. Là, j'ai vraiment été dans la démesure. Hein. Là, j'ai été un peu excessif. Les tapettes. Je suis un peu stressée parce que j'ai les aliments insolites après la tournée. Et vu la tête qui fait le mec, je sens que je vais souffrir ma race. Je sais pas ce que je vais manger. Je vais peut-être manger de la chauve-souris. Je sais pas. C'est ainsi qu'on s'achève cette énième saison de la Villa des Trous Brisés. Bon, ils ont toujours les trous pas colmatés, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils repartent avec une réponse. Alors, ça répond à leur problème, putain de merde. Ciao, soy Marisol. Salut, moi c'est Véven. Mais tu me fais rire. Mais non, mais c'est drôle. Mais tu me fais rire. Mais t'as une gueule avec ça, me regarde pas. Mais arrête de rigoler, je dois rire. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.